Avant tout, je voulais dire merci à Christophe qui m'a permis d'entrer dans son espace sacré de musique. Lui m'a invité pour faire de land art pendant que lui joue ses instruments. Moi, j'ai la peur, je ne voudrais pas être tout seul ici dedans. Pour ça, je vous invite à chacun de vous à venir m'aider. Je vous donnerai quelques coordonnées et après vous, vous êtes libre de continuer à faire avec moi quelque chose. Thank you.
là. Oulume ya fond à gué, ya gué, nani yo pipila. Voilà, un des nombreux ancêtres de la cornemuse. Vous connaissez peut-être la cornemuse. On utilise un animal mort pour faire un sac. Et avec ce sac, on peut mettre de l'air dedans et puis respirer tranquillement pendant qu'on presse et que l'air sort. Alors ça, c'est le même principe, mais c'est beaucoup plus ancien. Et là, pour ça, bah, c'est moi qui dois faire le sac. Avec les joues. C'est un instrument qui demande la maîtrise parfaite de la respiration circulaire. Et qui vient de l'Inde, plus précisément du Rajasthan. C'est une flûte qui est jouée en Iran et ça passe pour être l'instrument le plus difficile à jouer, avant en tout cas, qui existe sur la planète. Le maître avec qui j'ai travaillé m'a dit que dans le répertoire traditionnel sur cette flûte-là, ils sont une petite dizaine sur la planète à maîtriser le répertoire traditionnel sur cet instrument. Oh, frimeur, allez. Donc moi, c'est clair, je maîtrise absolument pas le répertoire traditionnel. Hein. Dans ce style de musique, je fais juste de la pure impro. Alors les photos sont interdites, hein, parce que je tire une gueule pas possible quand je joue ça. Mais moi ce que je cherche c'est le son, hein, c'est pas l'image.
signaro, jam jam puru signaro, baba dua le jambita, agari fama, edwa le jambita wo, baba dua le jagari fama, edwa le jambita wo, baba dua le jagari fama, agari fama. I got the fama. Kelemaninde. Ah, kelemaninde. Badema filo la kelemaninde. Ah, quelle manite, pas de ma fille, la quelle manite, quelle manite, oh quelle manite, oh quelle manite. Quelle manite, Quelle manite, oh quelle manite.